Oh, t'es nouveau sur ma chaîne YouTube et tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en activant les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, bonne vidéo les gars. I got broads in Atlanta, just a dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Oui les potes, c'est Kfaz. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment gagner de l'argent en jouant à Call of Duty, ou bien si vous préférez, comment gagner de l'argent en faisant de la compétition. Donc c'est très très simple. En fond, vous avez un gameplay compétitif en recherche et destruction en 1v1. Voilà, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc il vous faudra choisir un moteur de recherche. Donc vous tapez G4G. Voilà. Après, vous allez tomber sur un lien Glory for Gamers. Donc c'est ça que ça représente, GKG. Et donc vous allez cliquer dessus. Donc après il faudra vous inscrire, ils vont vous demander votre adresse email, mot de passe, l'endroit où vous habitez, un code PayPal ou une carte bancaire, et surtout très important, votre PSN. Donc voilà, il faut s'inscrire. Moi, comme vous le voyez, je suis déjà inscrit. Donc donc les tournois où on peut gagner de l'argent, en fait il faut vous inscrire, enfin il faut participer en équipe. Donc il n'y a pas de 1v1 où on peut gagner un lot, c'est que par équipe. Et donc je vais vous expliquer comment participer au tournoi. Donc vous faites tous les tournois une fois que vous êtes inscrit. Donc après là il va chercher, après vous descendez, il y a PS3, PS4, Xbox One. Vous cliquez sur moi, pour ma part, c'est Black Ops 3 sur PS4. Donc ça fonctionne sur FIFA, NBA et tout. Donc vous pouvez tenter votre chance en gagnant des lots. Et donc là, comme vous le voyez, ça me donne tous les tournois. Donc aujourd'hui, tous les tournois sont finis. Il y a celui de demain. Et donc je vais vous montrer comment vous inscrire. Donc on va prendre par exemple, je sais pas, on va prendre celui-là. Donc voilà, il va charger. Après, quand vous allez vu celui-là, vous faites, donc c'est entre gratuite, donc il y a des tournois payants où on gagne plus de gains, mais là c'est gratuit. Donc là on gagne rien de celui-là. Donc vous faites s'inscrire à ce tournoi. Donc là ça va vous inscrire au tournoi et ça va vous dire début dans 19h17. Donc il y a des règles, faut aller lire les règles car il y a des restrictions sur les atouts et sur certains accessoires d'armes. Donc le plus souvent c'est tir rapide, gros calibre, donc les plus utilisés. Comme vous le voyez, drone de bouillage et tout, deux armes, tir rapide, gros calibre. Donc vous lisez les instructions. Donc il faudra faire votre classe avant que le tournoi commence, car ça prend du temps. Et donc quand le tournoi va commencer, par exemple, vous devez être là 10 minutes avant le tournoi. Donc vous allumez votre PS4, votre ordinateur. Donc vous allez là, quand le tournoi va commencer, ça va faire un jeu chargement, et là ça va vous dire là à peu près, ça va vous dire trouver des joueurs. Donc quand vous faites trouver des joueurs, donc ça va laisser à l'adversaire, si vous faites prêt, enfin il y aura un truc, vous dites si vous êtes prêt pour commencer. Mais si vous faites prêt, ça a laissé 8 minutes à l'adversaire pour se préparer avant que le truc commence. Donc on peut choisir des arbitres et tout, mais moi je pense que c'est pas la peine. Ou si vous voyez que votre adversaire a triché, vous pouvez prendre un screen sur votre PS4 et l'envoyer à sur G4G. Donc quand vous faites prêt, ça va vous mettre votre PSN vs l'autre gars, enfin vs l'autre gars, le PSN du gars. Et après vous avez sur PSN, vous allez sur votre PS4, vous l'ajoutez en ami et vous marquez G4G. Donc le plus souvent c'est des Français, donc ils vous comprennent. Après vous allez quand vous l'avez mis en ami, soit il rejoint votre salon, soit vous rejoignez le sien. Et donc sur votre PS4, vous allez, pour choisir le mode de jeu, vous allez dans configuration partie, vous allez dans vous allez dans changer mode de jeu, vous allez dans la communauté tendance, et après là ça charge. Quand vous avez fait cela, vous cherchez G4G. Donc le plus souvent il n'y a pas, il y a soit CWL,
il y a soit 1,4G, donc comme celui-là, CWL. Faites charge là. Ah non, erreur. Ah non, en fait, les gars, je me suis trompé. Enfin, soit vous cherchez le mode J4G, si vous avez la flemme de chercher, vous allez dans configuration partie, changer mode de jeu, vous allez dans recherche destruction et vous prenez recherche destruction CWL. Voilà. Donc, le plus souvent, les tirs à lieu ne sont pas autorisés. Donc, il faut aller dans modifier règles. Normalement, c'est 2 minutes sur G4G. Vous allez dans santé et dégâts et vous allez mettre tir à lieu 100. Et donc, voilà, la configuration est prête. Et vous commencez le tournoi avec. Après, quand le tournoi sera fini, il y aura une page de 20. Il y aura un temps pour lequel il faudra patienter pour effectuer un contre-1. Et après, vous devez mettre votre score. Donc, ça va vous dire soit vous avez perdu ou soit vous avez gagné. Vous mettez, si vous avez gagné, vous mettez gagné. Si vous avez perdu, vous mettez perdu. Mais si, par exemple, vous avez gagné et l'adversaire a mis qu'il a gagné, je vous conseille de, à chaque fin de combat, enfin, voilà. Je vous conseille de prendre un screen de à la fin de la partie car le plus souvent il y a des gens qui trichent. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.